Weedy song, feed the love, feed the fire, weedy fire, weedy fire, sigh, I am, weedy fire. Des gens sortir du camp ou pas? Tu vois, too on late. L'aurait pas fait. Ouais, bah ça empêchera pas de oh bah demander éventuellement. Tu peux la rappeler, hein. Elle est devant toi quelque part. Ouais, tiens. Bah tiens, ouais, je vais la rappeler. Je lui demandais, tiens, Vika, tu peux venir me voir un petit peu? Elle voilà. Va trottiner vers toi. Voilà. Et je vais lui poser la question à l'oreille. Chut, comme ça. Dis-moi, Vika, est-ce que tu as vu d'autres gens du camp sortir? Elle te fait non de la tête. Et tu as pas vu des gens du camp chuchoter entre eux? Ah, lui, fait oui de la tête. Ah. Bah le couple. Et c'était qui? Ah bah, elle te montre les deux qui sortent de leur tente bien attifés. D'accord. Alors, bien attifés, c'est un grand mot. La nuit. Elle hausse les épaules et elle te dit la nuit je dors. C'est bien. Ah, elle te fait un grand sourire. Et elle retourne gambader vers sa mère. Tout à fait. Ouais, on va les prendre séparément. On va prendre monsieur en premier, tiens. Allez. D'accord. Alors, ils sont un peu surpris d'être séparés. Ils se glissent quelques mots à l'oreille. Et donc, monsieur vous suit en premier. Donc, quand je vous disais bien préparé, ils se sont coiffés, par exemple. Ils se sont fait un brin de toilette, mais les vêtements sont toujours aussi abîmés. Et donc monsieur se retrouve dans une maison dont il apprécie apparemment terriblement la propreté, le confort, le côté civilisé. Voilà. Et, bon, il va sans dire qu'ils sont tous fouillés avant de venir, hein, systématiquement. Oui. Ouais. Il ne cache rien. Il vous dira, alors, je ne sais pas chez qui je suis, mais félicitations, très belle maison. Je pointe un doigt vers Althea. Je pointe un doigt vers l'écureuil. qui hausse les épaules. Vraiment. Je ne m'attendais pas à trouver une si charmante maison dans un village aussi éloigné. C'est une maison exceptionnelle qui était à quelqu'un d'exceptionnel. Je n'en doute pas, une chose de valeur. Il s'assoit. Justement, il y a dans ce village beaucoup de choses de valeur, que ce soit en bien ou en personne. Et nous tenons beaucoup à la sécurité de ces gens et de ces biens. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de nous assurer que les personnes qui viendraient se joindre à nous soit des personnes de confiance et des personnes qui pourraient éventuellement rester et devenir des membres de ce village. Ah mais ma femme et moi on est comme ça. C'était pas le plan de départ, mais on va s'adapter. J'ai cru comprendre que vous étiez aubergiste. Oui. Ah oui, on l'a été pendant 4 ans. Où ça? Une petite ville, vous ne devez pas connaître, au sud de la capitale, enfin de la capitale, au sud de Clifford. Voilà, je t'avoue que là, présentement, le nom m'échappe très violemment, donc on va gentiment dégainer une carte. Comment s'appelle ce con de ville? Hag, voilà. Hag. Merci. Alors, ça ne me parle pas, Hag. C'est trop loin, ça. Si, c'est facile, le nom t'a déjà traversé les oreilles. D'accord. C'est la grosse ville la plus au sud de votre province. D'accord. Et Patrick, il connaît Hag?
autant que toi, quoi. Il sait que ça existe. D'accord, il n'est pas passé par là, il ne serait pas éventuellement allé à l'auberge de Hague. C'est vraiment, c'est au-delà de la capitale, il n'est jamais allé, au-delà de la capitale. D'accord. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, alors, pour que vous vous retrouviez ici? Je peux d'abord, pour les archives, vous demander votre petit nom et celui de votre épouse. Oui, alors moi je m'appelle Thomas. Elle s'appelle Millie. Et on est les Selton. On avait une petite auberge dans les faubourgs de Hague. C'était pas mal, hein. C'était, si j'avais su d'ailleurs, on y serait encore et on continuerait notre petite affaire, mais on a entendu parler d'une très bonne affaire qui pouvait se faire à l'Ocronan. C'est une occasion à saisir, alors c'était une auberge à racheter. Alors on s'est dit que c'était peut-être le moment de voir plus grand. Donc on a vendu notre auberge et on s'est mis en route avec toutes nos possessions vers l'Ocronan. Ça s'est pas très bien passé. On s'est fait attaquer sur la route. On s'est fait dépouiller. Il nous restait quasiment plus rien. Et on a été recueillis par une patrouille de garde qui passait par là. On était quand même un peu... Enfin, content, c'est un grand mot, mais soulagé en tout cas. Ils nous ont ramenés au rempart ouest. On a été invité à y rester quelques jours. Le temps de se remettre et puis... Puis de se retourner, quoi. Ça faisait du bien d'être entouré par des gardes. Rien que ça, quoi. Je crois qu'ils ont cherché les brigands pendant un moment. Ça aurait peut-être permis de retrouver 2-3 de nos marchandises. Sauf qu'en fait, l'ambiance a commencé à devenir un peu tendue au rempart ouest. Il y avait des bagarres de plus en plus souvent. Du coup, avec ma femme, je sais pas, ça se battait dans les rues, si vous voulez. Nous, on s'en mêlait pas. Au contraire, on partait dans la direction opposée. Mais enfin, l'ambiance n'était pas vraiment fameuse. Donc, il nous tardait que cette histoire se règle et qu'on puisse reprendre notre petit bonhomme de chemin, sauf qu'au bout d'un moment, ma femme a eu comme l'impression qu'on la suivait. Elle s'est plus baladée toute seule, on s'est baladé tout le temps tous les deux, et je dois dire que c'était pas qu'une impression. Il y avait vraiment des gardes qui nous suivaient. Alors je me suis dit peut-être qu'ils se méfient de nous, peut-être qu'on a l'air louche ou il se passe des trucs qu'on sait pas, quoi. On a commencé à se dire que peut-être qu'on allait quasiment plus sortir du tout, sauf qu'il y avait bien 2-3 obligations à remplir, hein. Enfin, ne serait-ce que manger. Et bien, un jour, il y a une patrouille de garde qui... Alors, je sais pas s'ils avaient trop bu ou quoi, mais ils ont commencé à nous provoquer. Ils ont commencé à se moquer de nous, à nous suivre, et ça a commencé à sentir assez mauvais, en fait. J'ai bien cru que c'était un peu fini pour nous, et heureusement pour nous, il y a une autre patrouille de garde qui est passée et qui est venue nous aider. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas très clair, quoi. Et je pense que si la seconde patrouille était pas venue arrêter la première, ben on serait peut-être plus là, quoi. En gros. Et c'est le moment avec ma femme, on s'est dit que tant pis pour nos biens, tant pis pour nos marchandises, il fallait qu'on s'en aille. On devait partir de là, sauf que le rempart ouest, c'est un peu au milieu de nulle part, quoi. Et on a essayé de s'enfuir, on s'est fait choper. Je pense qu'on s'est fait choper par la bonne personne, en fait, parce que c'est le garde qui nous a surpris. Au lieu de nous arrêter, il nous a dit de nous enfuir, d'aller à l'ouest, qu'il y avait une rivière. Et si on arrivait à traverser la rivière et qu'on arrivait à suivre la mer, on allait arriver ici. Et que ici, éventuellement,
on pourrait se reposer. Alors on l'a fait. Ah, ça, on commence à avoir une réputation. Là. Pour l'instant, le léger point commun de tous ces gens-là, c'est les gardes du rempart ouest. Et c'est les seuls qui savent. Forcément, ils doivent parler de vous, puisque vous leur avez infligé une défaite. Aubergiste est intéressant. Vous voulez dire comme métier? Oui. Oui, oui, c'est... Enfin, c'est... Je le fais pas pour rien. C'est toujours agréable. Et qu'est-ce que vous avez entendu à propos de nous? À propos du village? Parce que m'en a dit le garde. Rien de plus, en fait. Juste ce qu'a dit le garde. Oui. Quand vous étiez à Hague, vous n'avez pas entendu parler de nous. Ah, à Hague, on ne sait pas que vous existez. Franchement, Ament. Vous savez, je lis pas une carte tous les matins. Mais on a tellement marché à l'ouest qu'on doit vraiment être cul du monde ici. C'est pas complètement faux. Mais je dirais pourvu que ça le reste. Alors, il y a une place Althea. Pour vous. Peut-être. On peut faire comme pour l'autre gars, le petit jet d'empathie pour voir... Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de problème. Pour faire tomber le chat. Alors, je me demande ce qu'il est passé à l'équitation, là. Du coup, tu montes à cheval, tu fais trois fois le tour de la pièce, non, ça va, ça pas passe. Très loin. Hop, c'est bon. 8. Ça passe. Enfin, ça va, il a l'air cool, hein, comme l'autre. J'ai quand même 4 de base. Dire hein. La difficulté de base, c'est 5. 5, c'est facile. 10, c'est difficile. Enfin, c'est moyen, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce type-là? Il est stressé, c'est sûr. Il est stressé. Tu penses qu'il est globalement malin, si tu en doutais. Oui, il sait faire des comptes. Oui. Ouais, voilà. Il doit certainement savoir lire et écrire. Tu n'en doutes pas. Et plus si affinité. Tu penses que c'est le genre de personnalité qui pourrait plaire au père Cross, par exemple. Mais sur tout ce qu'il vient de dire. Tu vois pas grand chose qui t'invite à te méfier. Il a l'air assez à l'aise avec ce qu'il vient de dire. Alors, le but sera lorsqu'on recevra. Voilà, quand on recevra sa femme, il faudra comparer les histoires, justement, ce sera tout l'intérêt de la chose. Ils brassent leur propre bière, tes aubergistes. Non. Non, parce que c'est compliqué, il préfère acheter des trucs tout faits, ça lui évite de rater. C'est compliqué à faire, la bière. Lui, c'est un vendeur. Zut, s'il avait brassé sa propre bière, j'aurais pu essayer de le coincer sur des questions techniques. S'il mentait. Combien de houblons? Ah, flûte. Et donc, je demande à cet homme... Et comment vous avez fait pour survivre pendant tout ce trajet? Vous y connaissez en chasse? Non. Absolument pas. Mais survivre à quoi, vous voulez dire? Bah, depuis le rempart ouest, ça fait une belle trotte jusqu'ici. Ouais. Je vous confirme. Et survivre à quoi, du coup? À la distance? La distance, la faim, la soif, les créatures. On a tué un troll sur le trajet. Ah, nous non. Nous, on a longé la plage, on a mangé des coquillages. On n'a rien vu. Il faudra qu'on pense à passer par la plage la prochaine fois. Hein. Ça a l'air beaucoup moins dangereux. Il y a des trolls. Mais tu sais que quand toi, t'es allé à Balloon, t'as longé la plage, vous avez passé des journées entières à cheval, il s'est rien passé, hein. Ouais, mais c'est ça, des journées entières, je veux dire, à pied, comment ils font, eux, sans rien, les mains dans les poches. Des journées entières et ils marchent.
Ben, c'est pas des PJ, quand... donc ils ont moins de choses scénaristiquement parlant. Voilà. Mais même, le truc, c'est qu'il ne sait pas non plus combien de personnes ont fait le trajet et sont mortes dessus. On n'a pas cette statistique-là. Regardez, prenez votre trajet à vous pour aller à Balyoun. Vous avez croisé quoi ? Vous avez croisé quoi ? Mis à part la rivière qu'il a fallu traverser, rien ? Des bandits et un troll. Rien, ouais. Aucune meute de loups vous a sauté sur le coin de la gueule, aucune troupe de hors-la-loi a essayé de vous choper, aucun monstre marin est sorti de la mer pour vous bouffer. Vous avez contourné la carte, peanuts, et au retour, si j'enlève le troll, qui est une rencontre un peu exceptionnelle, rien ne vous a agressé. Vous et d'ailleurs, techniquement, le troll ne nous a pas agressé, il était en train de fuir, reste, on aurait pu le regarder s'enfuir. Hein. Par exemple. Mais c'est vous êtes dans un coin qui est paumé à tout point de vue, c'est-à-dire que même en termes de monstres au kilomètre carré, il n'y a pas grand-chose. Quoi. C'est que c'est un coin peinard, c'est un coin sauvage. Et depuis qu'on se balade, on a croisé une fois des narnes. Ce qui me posait plus de problèmes plutôt que la dangerosité, c'était surtout le fait d'avoir zéro ressource pour faire ce trajet-là, quoi. Et à pied, en plus, c'est beaucoup plus long qu'à cheval. Eh ben, alors, je sais bien qu'on rentre dans des considérations techniques, hein, mais tu perds deux points de vie par repas que tu sautes. Donc tu fais le calcul de, dans quel état tu arrives à Amant. Voilà. Et tu marches. Mais c'est probable, en fait. De mon point de vue de chasseur... C'est faisable. Ils ont dû manger alors ce qu'ils ont trouvé par terre dans des buissons ou des bulots un pauvre poisson, on va savoir. Et ils ont dû arriver à Amant avec quelques points de vie. Donc moitié mort de faim. Okay. Et ils sont effectivement Patrick, moitié mort de faim. Oui, mais c'est un peu le cas de tous en vrai. D'accord. C'est un peu le cas de tous. D'accord. Parce qu'effectivement, mis à part le premier que vous avez interrogé, qui lui est arrivé dans un état assez normal, en quelque sorte. C'est un chasseur. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de survivaliste hein, dans le tas, quoi. Vous accueillez donc Millie. C'est ça. Oui. C'est bien Millie Selton, qui adore ta maison. Qui fait des petits commentaires sur la porcelaine, la nappe. Enfin voilà, c'est franchement, elle est. Enfin, elle va demander si toutes les maisons sont comme ça. Non. Un peu innocemment. Non. Voilà. Comme son mari, elle va vous féliciter pour cette magnifique. Alors, vous avez bien compris que dans sa tête, vous êtes marié. Voilà. Non. Voilà. Donc elle vous félicite pour cette maison. Sa maison à lui. Elle va vous demander si avec son mari ça s'est bien passé. Oui, il est tout à fait charmant, il est coopératif, il a répondu à toutes les questions, aucun problème. C'est un très très bon aubergiste. Le village gagnerait à nous avoir, vous savez. Le village gagnerait à avoir des aubergistes. J'en suis persuadé. Et on nous a dit que vous faisiez très bien la cuisine. Je me débrouille pas mal, j'ai quelques recettes qui avaient leur supporter, on va dire. Mais si vous voulez que je vous prépare quelque chose. Oh. Des pâtes de fruits. C'est une panache, c'est fini. Range ton t-shirt Love by Loon. Non, bah on va lui demander de raconter son histoire pour voir si ça concorde avec ce qu'a dit son mari. La même chose. Elle est un peu plus insistante sur le moment où elle a été suivie au rempart ouest. Parce qu'elle avait un peu l'impression que c'était pour son cul, en résumé. Ou les mêmes gardes Ils avaient des écussons différents ou c'était les mêmes? Il y a eu deux étapes, alors c'était les mêmes, c'est tous des gardes aux armes de la Régence. Après, est-ce que physiquement c'était les mêmes gardes en tant que personne? Ça, elle ne saurait pas dire, ils se ressemblent tous en fait. C'était tous des gardes, c'était tous des vrais gardes. Le seul moment où elle a vu des gardes différents,
c'est il y a 6 chevaliers qui sont arrivés à un moment dans des belles armures qui avaient pas vraiment des écussons, plutôt des symboles. Ça faisait pas emblème emblème de noblesse, ça faisait autre chose, ça faisait peut-être peut-être ordre religieux ou guilde peut-être. C'était un peu ça l'idée. Voilà, ils sont arrivés. Bizarrement, quand ils sont arrivés, la situation s'est un peu calmée au rempart ouest. Le temps qu'ils étaient là, tout le monde s'est un peu tenu à carreau. Et puis ils sont restés qu'un jour, ils sont partis. Et une fois qu'ils ont été partis, tout a recommencé. Ils sont partis dans quelle direction ? Ah, ils se rendaient à la capitale. Les gardes en parlaient un peu partout. De ce qu'elle a entendu, ils venaient en bateau. Voilà, ils sont venus en bateau, ils avaient une mission qui avait l'air prioritaire. Et donc ils sont juste restés se reposer un soir et ils ont repris leur chemin vers la capitale. Mais mis à part ça, puisque vous lui parlez d'autres écussons, non, tous les gens qui ont été gentils avec eux et les gens qui ont été méchants avec eux avaient tous le même uniforme. D'accord. Et elle vous dira qu'elle a l'impression qu'au rempart ouest, il y a deux clans, deux groupes, deux tribus. Mm. Voilà, des gardes plutôt violents et qui se croient tout permis et qui sont pas spécialement inquiétés, et des gardes plutôt respectueux et qui essayent de bien faire leur métier et qui s'opposent autant qu'ils peuvent au premier groupe. Il y avait moyen de savoir s'il y avait une différence d'ancienneté entre eux ? Non, tout âge confondu. Certains qui... tout âge en confondu. Tant que garde, j'entends. Parce que comme ils avaient l'air de recruter ardemment, peut-être que c'est des nouveaux recrues, de nouvelles recrues qui sont... Alors, elle n'est pas capable de te le dire. Elle les a tous pris dans la tête en même temps. D'accord. Et comme les gardes entre eux... à tout va. Les gardes entre eux n'en parlaient pas dans le sens où même les gardes qui venaient les sauver, en quelque sorte, leur expliquaient pas après ni le pourquoi du comment. Voilà, ils leur disaient rentrez chez vous, circulez, tenez-vous à carreau. Donc ils n'ont pas su et ils ne savent toujours pas ce qui se passe vraiment dedans. Mais c'est pas l'anarchie, mais il y a clairement une espèce de conflit interne militairement parlant. Pas vraiment. Rien de toutes les questions que vous lui posez, rien ne la met en défaut par rapport à la version de son mari. Ouais. Alors rien ne la met en défaut, genre ils ont hyper répété et c'est presque peut-être trop parfait. Peut-être. Ou rien ne la met en défaut et c'est la même histoire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment trop semblables dans leur discours ? Vraiment exactement la même manière de raconter Alors non. C'est vraiment chacun de son point de vue. Ils ont le même... Alors c'est curieux, parce que t'as l'impression qu'ils doivent bien s'entendre. Parce qu'ils ont vraiment la même façon de voir les choses et les gens. Ils ont le même vocabulaire, ils viennent du même milieu. Mais c'est pas... les phrases sont pas copiées-collées au mot près. Hmm. Ouais, c'est pas exactement le même ordre où c'est raconté, le même... Par exemple. Hmm. Ok. Non, moi j'ai pas... Eh ben, elle aussi, son petit jet d'empathie. Y a pas de raison. Elle a droit à son petit jet, vas-y, monte à cheval. Je vais essayer de pourquoi, t'appuyer sur pourquoi la dame fait le tour de la maison à cheval? J'ai une habitude. 9, 8, 7, c'est de pire en pire. Écoute, là, comme ça, t'as l'impression que... ça pourrait devenir une bonne amie à toi. Tu sais faire du thé, c'est faire la cuisine. J'ai bugué sur un mot, là.
un mot en trois lettres, quatre, parce que c'est une fille. J'ai pas compris. Bah, elle te change des femmes du commun qui sont au village, qui sont souvent étroites d'esprit et qui n'ont pas vu grand chose et qui n'ont pas de curiosité. Elle et son mari, au-delà éventuellement du côté un petit peu magouilleur, on va dire, mais sûrement inhérent à leur profession, sont des gens qui sont curieux des choses, sont des gens qui sont un peu cultivés. Ça pourrait te changer des lavandières du commun, quoi. C'est un peu moins des prizes. Surtout s'ils reprennent l'auberge. Ouais. Bon. Ben écoute, on va pas. Hein. Vous la ramenez. Gentiment. Ah ouais. Ok. Pour accueillir, je suppose donc le dernier. Ouais. C'est un jeune homme, plus vieux que vous, mais pas de loin. Son visage ne vous est pas inconnu. Alors pas à toi, Althea. Mais toi, c'est... Tu l'as déjà vu, sûrement. Du reste, il va vous expliquer que c'est un pêcheur qui vit complètement isolé, qui vit un petit peu en ermite, et qui, comme les agriculteurs, en fait, de temps en temps, vient vendre ses préparations ou son poisson, à gauche, à droite, autour de sa maison, quoi. Et il n'est pas impossible que de temps en temps il soit venu vendre à Ament. C'est peut-être là que tu l'aurais vu, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Comme vous l'a annoncé le tout premier type que vous avez interrogé, lui, il lui est rien arrivé. C'est-à-dire qu'il n'a pas été menacé par des gardes, il n'avait pas été chassé de chez lui. Mais comme il se balade beaucoup. Il a commencé chez les fermiers, dans les marchés où il allait, il a commencé à entendre dire des trucs. Et surtout que les gens isolés commençaient bizarrement à être un petit peu harcelés, fouillés, malmenés. Et il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il est tout seul dans sa cabane. S'il lui arrive un truc un jour, voilà. Et donc, en fait, il s'est dit que il était peut-être temps de quitter sa cabane isolée et de trouver la vie en communauté, quoi, pour pas y passer, hein, quand et le temps se couvre. Ah, parce que... Grace, beauf. Les gens, ils mangent pas à leur faim, alors c'est pas vraiment un endroit où aller se cacher, quoi. Et Balioun ? Ah, c'est loin. Non, c'est beaucoup trop loin. Et rappelez-vous, vous, Balioun, vous connaissez le petit chemin qui vous permet de longer la côte. Pour les gens, aller à Balioun, si vous mettez la carte, c'est une espèce de putain de boucle où il faut contourner des montagnes, des marais. Ouais, c'est un beau bordel. C'est la violence, Balioun, en vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne suspectera jamais que vous commercez avec Balioun. C'est au cul du monde par rapport à vous. Et il est déjà venu à Ment. Ouais. Alors il y a quelques années. Mais voilà, oui. Il connaît. Père Croze, c'est un nom qui lui a traversé l'esprit. Il va même citer des noms de gens qui sont morts. Parce qu'il ne sait pas qu'ils sont morts. Il va vous citer le nom de certains pêcheurs qu'il connaît, qui croisent parfois quand il prend sa barque et qui va faire un tour. Et du reste, il vous dit, ça me surprendrait pas que la plupart des pêcheurs commencent à faire comme moi. Hein. Après, pêcheur, c'est bien, ça donne de la bouffe. Ah, toujours. La mer est généreuse. Et je vous parle pas de la fille. Blague de pêcheur à deux balles. Voilà, exactement. Blague de bonhomme. Il est clairement pas traumatisé par rapport à tous les gens que vous venez de recevoir. Il a juste l'impression de prendre la bonne décision au bon moment.
ce qui prouve sans doute qu'il n'est pas bête. Et il vous dit que globalement, bah, si jamais vous refusez, bah, il va retourner dans sa cabane, advienne que pourra. Quoi. Au pire, allez, il sait qu'il y a... cabane sur la côte, un peu au nord. Il vous dit qu'au pire, il y a quelques îles au large, que s'il faut, bah, il prendra sa barque et puis il ira se foutre sur une île et il attendra que ça passe. Quoi. Eh oui, il prendra le large. Ah. Bon, j'arrête les blagues, non, c'est pas les mêmes. Ça ne te va pas du tout. D'accord. Ça ne va pas du tout à ta cabane. Eh bah tant pis, il va faire son jet d'empathie quand même à cheval. Ah, 13. Il est vraiment pas traumatisé et vraiment pas stressé plus que ça. D'accord, il est vraiment sinon, ça a l'air de tenir la route le ouais, truc. Ouais, il est là actuellement à l'aise avec la situation, c'est-à-dire que si vous le prenez pas, il va aller se planquer dans un coin et il traversera l'orage quoi, en gros. Si vous le prenez, bah, tant mieux, il sera là. C'est toujours mieux là que tout seul dans une cabane où il peut crever, tomber malade, voilà. Il a l'air suffisamment plein de ressources. Il a pas l'air... il s'appelle Anton. Il a pas l'air plus sociable que ça. C'est-à-dire qu'il vivait très bien tout seul, en fait. Il aime bien être tranquille dans son coin. Ah, on en a des comme ça, ici. Ouais, il y en a quelques. Ceci étant, votre interrogatoire, la fin de votre interrogatoire, sera ponctuée par ton écureuil qui saisit une noisette et qui la lance sur la fenêtre de ta maison. Qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre ? Il a le poil tout hérissé. Et qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre ? Il est en train de regarder à la fenêtre. Tu te tournes vers la fenêtre, tu vois rien. Je vais la regarder plus attentivement à la fenêtre. Alors, s'il y a quelqu'un Moi, je vais sortir pour aller voir. Tu sors, tu vas... alors, dehors, il n'y a personne, en tout cas. Tu fais quoi ? Tu vois, mais tu vois quoi ? Je fais de l'observation, de la perception, voir si je ne trouve pas quelque chose. Quelque chose. Mais tu cherches quoi, en fait ? Bah, je me demande s'il n'y a pas une trace de la créature de tout à l'heure, éventuellement. Donc une fouille. Ok, refouille. Donc, c'est pour ça, c'était pour savoir exactement. Perception, c'est tu vas chercher s'il y a quelqu'un dans les arbres, s'il y a quelque chose dans le ciel. Oui, ben justement. Si, tu vois, voilà. J'étais pas pour quelqu'un dans les arbres ou comme ça. Mais... Fouille, tu vas chercher s'il y a un truc au sol. S'il y a des traces sur le mur, ouais. Tu vois, c'est ça la différence entre les deux. Bah, tu fais les deux, l'un après l'autre. Alors, éventuellement. J'étais plutôt parti pour regarder dans la direction où l'écureuil regardait, pour voir si je n'apercevais pas des mouvements ou des choses. L'écureuil, lui, il était dedans, il a regardé vers la fenêtre. Ta direction s'arrête là. Oui. Après, une fois que toi t'es dehors, y a des maisons en face. Mais il prend une visée laser, il la met là où est l'écureuil, c'est ça. Dans quelle direction est partie la noisette. Et sinon, on fouille, donc... voir s'il n'y a pas des traces ou quelque chose. Je fais un lancer ? Oui. Oh oui. À 5, tu vois ce qui est évident. Nous sommes d'accord. Mmh. Voilà. Mmh. À 10, tu vois ce qui est... faut s'attarder pour voir que c'est là. Et à 15, tu vois le truc limite dissimulé. D'accord ? Donc là, à 5, tu vois des choses évidentes. Il n'y a pas de traces de pas, par exemple, sous la fenêtre. La végétation, les parterres de fleurs sont pas piétinées, par exemple. Voilà. Ça, c'est ce que je peux te dire. Par contre... ce que tu perçois sans faire aucun jet, c'est qu'il y a une drôle d'odeur. Assez désagréable. Il n'évoque rien.
Alors si t'as déjà senti ça, mais alors il y a longtemps, dis donc. Tu cherches. T'as l'impression que t'as déjà senti ça il y a longtemps dans des cargaisons qui avaient été débarquées par bateau sur les quais. Le genre de truc que vous recevez sûrement pas souvent, c'est pour ça que l'odeur est vraiment lointaine. Mais ça sentait tellement mauvais que ça t'avait un peu marqué, que ça pue autant. Parce que ça valait cher. C'est du soufre. D'accord. Ok. Et comme je ne vois rien de plus, je retourne à l'intérieur et je le dis à l'oreille d'Althea. Ok. Quoi, il y aurait du soufre dehors? Bah ouais, c'est très bizarre. Excellente question. Bah, je vais peut-être raccompagner Anton et pendant ce temps-là, tu veux essayer de, de sentir les poils que tu as ramassés, des fois qu'il reste odeur un peu dessus. Là-bas, on s'en serait rendu compte. Alors, les poils non, ne mais sentent, peut-être qu'elle est beaucoup moins forte. Non. Les poils ne sentent pas le soufre. Par contre, pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller aux entrepôts demander s'il y a une cargaison de soufre qui serait arrivée ou pas. Ok. Donc, notre ami Anton est ramené dans le campement. Toi, tu vas voir aux entrepôts. Et non, il n'y a pas eu de soufre récemment. Ni même depuis très longtemps. C'est vraiment un matériau alchimique assez rare. Ouais. Sauf si tu habites près d'une mine de soufre. Quel cas, il y en a beaucoup. Et... On s'en servirait oui. Pour quoi faire du soufre au niveau alchimie. Beaucoup de choses. Rien en particulier, si tu veux. D'accord. Rien en particulier. Après, ça le soufre une fois que tu le. Alors, ça brûle bien. Ça brûle plutôt bien. Ça pue même énormément quand ça brûle. Mis à part ça, si c'est pas en poudre ou que c'est pas en train de brûler, ça sent pas une pierre de soufre. Faut que tu te la fourres dans le nez pour sentir que ça sent mauvais. Quoi. C'est le gaz qui se dégage lors de la combustion. On va retourner fouiller les extérieurs pour voir s'il y a du soufre qui a brûlé quelque part. Vous allez chercher autour de la maison. Alors, l'odeur s'est dissipée, déjà. Et vous ne trouvez aucun endroit où il y aurait des traces de brûlé ou d'altération particulière sur la végétation, parce qu'il y a un peu que ça, ou sur les murs. Les gens vous regardent faire. Il y a même des personnes qui vous demanderont si vous avez perdu quelque chose, parce que vous avez l'air de chercher un truc dans les arbres. Et ils vont se proposer de vous aider à fouiller. Mais vous allez gentiment les congédier. Vous ne trouvez pas de traces de présence de soufre. Fais-moi un jet en connaissance pure. Connaissance pure. Je vais encore être déçu par mon résultat. 13. Des créatures qui sentent le soufre, ça te parle. Ça te parle, t'as déjà lu. Alors, c'est une connaissance un peu pointue, donc t'as du mal à mettre le doigt dessus, mais tu mettrais ton doigt à couper que il y a des créatures dont c'est pas la marque de fabrique, mais qui dégagent ce genre d'odeur-là. Dans ton souvenir, elles sont pas très naturelles, par contre, ces créatures. Là, surtout des créatures qui laissent pas de traces et qui sentent le soufre. Donc des créatures peut-être volantes ou immatérielles ou voilà quoi. Va savoir. Eh ben on fera des recherches dans les bouquins, dans les bestiaires avec tout ce qu'on a là, la couleur du pelage, l'odeur de soufre, les griffes, le fait qu'elles volent probablement, qu'elles arrivent à démonter un troll. Tu y passeras, vous y passerez un bon moment. Et tu ne trouveras et qu'elle semble douée d'intelligence quand même. Et tu ne trouveras rien qui rassemble tout ça, ni même qui parle de soufre, en fait. Fort curieusement. T'es sûr de l'avoir lu, alors c'est pas ici, hein, visiblement, mais c'est sûrement ailleurs dans une autre vie. Mais quel prénom avais-je à l'époque? Va savoir. Pamela, sans doute.
Ceci étant, avec tout ça, le soir tombe. Ouais, par contre, entre vos interrogatoires, décide. Vos recherches, le soir tombe. Et effectivement, c'est forgeron Guédon qui va venir vous voir le soir, qui va venir taper à la porte. Pour vous demander si vous avez pris une décision sur ce qu'on fait avec eux. Et avec lesquels, éventuellement. Alors, on n'a pas encore eu le temps d'en discuter dans les détails, mais pour l'instant, il n'y a personne qui nous semble particulièrement bête. À moins que William ait des suspicions que je ne connaisse pas. Leurs histoires semblent tenir la route. Alors, à moins que quelqu'un ait réussi à faire pression sur l'un d'entre eux pour que non seulement son histoire tienne la route, mais qu'en plus, ils doivent des renseignements à l'extérieur, ça c'est pas non plus impossible. On sait jamais. Mais ça vous dirait pas de les tester? C'est-à-dire? Un peu comme on attrape une souris, on met un bout de gruyère et on regarde qui le mange. Une fausse info, chacun, et voir quelle info pourrait essayer de filtrer ou qui ça rendrait bizarre. Ça serait un peu long, mais si on met une info à portée de main et qu'elle disparaît, un document, je veux dire, un truc écrit, quoi. L'occasion fait le larron. Hein. Ouais. Moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'il faut les faire entrer pour ça, mais ouais. Si je comprends. Je pense que honnêtement, vu ce qui traîne dehors, je pense qu'il faudrait les faire rentrer quand même. On va finir par en perdre de toute façon. Mm-hmm. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est les mettre à l'auberge en attendant, faire surveiller l'auberge quand même, et justement peut-être leur mettre un truc sous la main pour voir qui s'en empare. Je vous cache pas que, ne serait-ce que pour l'opinion publique, ça serait déjà mieux. Mmh. Alors, mieux pour certains et pire pour d'autres. Hein, mais au moins, une fois qu'ils seront dedans, la question de les accepter ou pas, ils seront dedans. Ça sera fait, quoi. Puis les gens verront les gens verront bien que c'est des humains. Ils sont comme nous, quoi. Et pour l'instant, ils peuvent tous avoir leur utilité, hormis la mère de famille qui, elle, est vraiment trop... Elle peut toujours aider à l'auberge en attendant, oui, par exemple. Oui, elle peut toujours aider, mais pour l'instant, elle n'est pas très au point. Elle est encore trop traumatisée pour... Alors, mais oui, je pense que si on lui donne des tâches simples... Ouais. Je pense que dès ce soir, c'est le mieux, honnêtement. Ok, vous voulez que je m'en charge, vous en chargez Non, oui, faites-les installer à l'auberge. Je vais le faire, ils nous ont déjà vus, ils nous connaissent un peu. Non, oui. Comme vous voulez. Par contre, il faudrait trouver des lits et des choses comme ça pour l'auberge, ça serait chouette. On va leur mettre des couvertures, pour le début, quoi. Au moins, ils seront pas dehors dans une tente, ils seront dans une maison construite. Ça sera mieux. On les nourrira, ils seront au chaud. Un toit sur la tête, marche. Tout ça, des murs. Il y a un couple d'aubergistes dans le tas. Je m'occupe de tout ce qui est préparation de l'auberge et puis je vous laisse faire avec eux. Ils vous laissent. Eh ben, c'est pas le tout, mais je vais mettre mon petit manteau puis je vais y aller. Hein. Les miliciens te saluent, te laissent passer, t'accompagnent quand ils voient que tu descends toute seule. En direction des. Je sais pas si William. Non, mais je l'accompagne. J'y vais avec elle. S'il a envie, il fait comme il veut, mais je donne pas d'ordre, moi, c'est tout. Il y a un feu au milieu du camp, au-dessus duquel bout une marmite, dont la fumée se fait emporter par le vent. Ils sont tous rassemblés autour avec des fourrures sur le dos. Ils mettent un certain temps à vous voir que vous êtes arrivé, en fait. Ils sont un peu concentrés sur leur future bouffe. Ils se lèvent quand ils vous voient. Ils ont conscience que vous êtes venu leur annoncer des trucs, donc ils sont un peu angoissés, sans doute. Bonjour. Bonsoir.
probablement plutôt après le repas, mais on va vous emmener vous loger à l'auberge en ville. Explosion de joie chez la plupart des gens présents. Ça se prend dans les bras. Alors certains le font pas, se retiennent, d'autres ne se retiennent pas, mais certains vous sautent dans les bras, vous. Pour vous remercier, sans doute. Le vieux trappeur vous fait un petit hochement de tête distant. Les deux aubergistes commencent à dire que bon, faut tout empaqueter, tout embarquer pour démonter le camp et tout ramener à l'intérieur, quoi. Et qu'il faudra refaire la carte, du coup, puisqu'il n'y a plus de camp. Et donc tout le monde commence à replier tout ce qui peut être replié, démonté, embarqué dans la précipitation. Ils ont l'air assez pressés de. Je vais aller aider la maman qui elle doit toujours pas être très au point. Elle fait ce qu'elle peut, mais c'est marrant parce que elle réagit bien à la pression. Mais elle est un peu mécanique, elle est un peu robotisée, on va dire. Et alors que tout le monde s'affaire pour empaqueter, il y a un hurlement lointain, peut-être, vous savez pas trop, il y a du vent, un hurlement qui retentit. Voilà. C'est pas un loup, c'est beaucoup trop gros pour être un loup, c'est limite un râle, un grognement. D'accord. Oui, alors on va gentiment les presser de se bouger le fion. Eux-mêmes finissent par se dire qu'ils vont peut-être abandonner quelques objets là, hein, après tout. De toute façon, ils seront toujours là demain, hein. Au pire, certains, au pire on revient demain. Hein, voilà. Avec la lumière du jour, ça sera bien. Vous remontez l'escalier qui mène à la palissade, où les miliciens eux-mêmes tremblent un peu, vous diriez. C'est le froid qui leur fait ça, vous inquiétez pas. Vos réfugiés passent la palissade. Dans mon souvenir, il n'y a toujours pas de porte à ces palissades. Non, ni même sur la carte. Il y a même un endroit où il n'y a pas de palissade. Hein. Tu sais, derrière chez moi, il n'y a pas de palissade. C'est un peu barre. Ouais. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier Alors j'essaye de voir quelque chose en perception dans la direction d'où venait le hurlement. C'est bien un jet de perception sur ce coup-là. Ouais. Je vais accompagner les gens à l'auberge pendant ce temps-là et prévenir le forgeron et la milice, du coup. Ok. On a entendu un râle et que ça serait peut-être bien de vérifier, de faire une... De faire une œuf est une bonne question. Ah, parce qu'en fait, quelque chose comme ça. Quand tu parles de ces mots-là, Guédon te dit il s'est jamais rentré dans le village. Je suis pas sûr qu'on ait les moyens d'aller le chercher chez lui. Si on perd des hommes, ce qui serait bien, c'est de s'assurer qu'il ne rentre pas dans le village ce soir, au moins. Autant que d'habitude. On te dit autant que d'habitude. Il y a des gardes, il y a des bras zéro. Pour l'instant, il n'est jamais rentré. Et des hurlements, c'est pas... Enfin, vous venez de revenir, mais c'est pas la première nuit qu'on en entend. J'ai en perception... oui, la créature est là. T'as l'impression qu'elle est autour du cimetière. D'accord. Tu vois une forme bouger, mais c'est dans la pénombre. C'est une forme qui elle-même est plutôt sombre. Tu sais, tu vois une vague silhouette grande. D'accord. Je vais m'approcher en utilisant discrétion. Je vais aller dans la direction de cette créature. Fais-moi un jet de discrétion. Puisqu'il est tout seul, je vais m'absenter pour aller fermer les volets et allumer la lumière. Ok, exactement la même chose, mais merci le fait que ce soit écrit dessous. Hein. Tu t'avances, tu essayes de profiter d'un maximum de couvert qui te conduit à t'approcher de buissons divers et variés pour arriver à te coller derrière.
J'ai dégainé mon arc. Hein. Ok. Tu as l'impression que la créature devait certainement observer votre petit manège. Maintenant qu'il n'y a plus personne, elle est un peu livrée à elle-même. Est-elle consciente de ta présence? Tu saurais pas dire. Tu la vois pas assez suffisamment pour savoir si elle est aux aguets, tournée vers toi, ce genre de choses-là. Tu as l'impression qu'elle est en train de tourner dans le cimetière. Mmh. De gratter dans le cimetière. Mmh. Mais je ne la vois pas. Tu vois la forme sombre dans l'obscurité. Ouais. Elle ne te semble d'ailleurs pas si grande que ça, ce qui est un peu curieux. Mmh. Mais grosse. Grosse, plus grande qu'un humain ? Plus large qu'un humain, plus épaisse, plus sphérique qu'un humain. Et réflexion faite, tu te demandes si elle n'est pas juste lovée sur elle-même. Ouais. Royce. Royce. Mais elle est là, elle est dans le cimetière, ouais. Je vais commencer gentiment à revenir sur mes pas, mais en tâchant de la garder, de rester tourné vers elle. Tu la vois clairement se déplacer. En se déplaçant, tu comprends que, en fait, elle n'est pas tellement lovée sur elle-même, mais sa tête doit être au niveau du sol. Mmh. Donc elle doit être à quatre pattes, en quelque sorte. Ouais. Et à quatre pattes, elle est grande. C'est ce que je veux dire. Voilà. J'aime pas ça. Voilà. J'aime pas ça. Et elle se déplace effectivement dans le cimetière. Et tu dirais que comme par moment, t'as l'impression qu'elle est quasiment dos à toi, elle doit pas faire. Elle a pas dû faire attention à toi en tout cas. Ouais. Donc pour le coup, elle est dans le cimetière. Elle a l'air d'y être bien. Moi-même, j'ai pas de connaissance particulière des créatures qui aiment bien les cimetières. On est bien d'accord. T'as entendu parler dans les contes et légendes, des créatures qui mangeaient les cadavres. Mmh. Ah. Mais elle a déterré personne. Elle est dans le cimetière. Elle y tourne. Il y a d'autres dans le cimetière. Les gens qui avaient le sang bizarre. Ouais. Comme Saul, par exemple. Est-ce que je suis revenu au village ou pas? Oui. Est-ce qu'Altea est pas loin? À l'auberge. Là, présentement... Ah, t'es allé jusqu'à l'auberge, toi? J'ai accompagné les gens, ils savent pas où aller. Ouais. Bah alors, je dis aux gardes de la palissade, attention, la créature est au niveau du cimetière, là. Ils font un pas en arrière, oui. Voilà. Ils sont morts de peur. Donc, ouvrez l'œil, et je vais chercher Guédon. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ton tact. Tu vas donc chercher Guédon. Oui. Il est à l'auberge. Il a supervisé l'installation de toute cette petite bande qui se sont réparties les chambres. La hache brisée revit pour l'instant. Un feu dans la cheminée. Les deux aubergistes ont clairement reconnu une auberge. Hein. Faut pas leur faire. Ils sont déjà en train de prendre les mesures... pour installer des meubles et des tables et ce genre de choses là, ils sont tout émerveillés. Mais bon, voilà, tout le monde est en train de s'installer. Tu expliques donc à Guédon que la créature est là, dans le cimetière. Et qu'elle est au cimetière, ouais. Et que ça pourrait être peut-être une occasion de la choper. Éventuellement.
T'es sûr? Elle ressemble à quoi? Une forme de taille plus grand qu'un humain, plus large qu'un humain, voilà. Des cornes, noires. Moi, sombre toujours. Je veux bien la choper, mais pour l'instant, elle n'a agressé personne. Elle n'est jamais rentrée. Et si on perd des hommes, on n'a pas de quoi les remplacer. Je veux bien aller chercher la merde. Hein. Je suis pas le dernier. Faut voir si on est gagnant. Et surtout, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas comment on l'affronte. Faut qu'on prenne des lances. Faut qu'on prenne des épées. Faut qu'on soit rapide. Faut qu'on soit armuré. C'est pas moi le chasseur, hein, mais traquer une proie sans savoir ce que c'est plutôt elle qui va te traquer à la fin. Non, mais. Actea, t'en penses quoi? Tu sais où elle est là. Ok, on sait qu'elle va pas y passer la journée, enfin la nuit. Elle va laisser une trace. Effectivement, plus d'avis de la pister une fois le jour levé, parce que visiblement elle est nocturne. Et l'affronter la nuit, ça sera pas forcément à notre avantage. Moi, j'y vois rien la nuit. Je sais pas toi, moi j'y vois que dalle. Je serais et elle, ravi. Elle doit probablement très bien y voir. Je serais ravi de lui sauter dessus pendant qu'elle dort. Si on sait où elle dort. Ouais, il y a peut-être plus moyen d'arriver arbres, à la piste. On risque de jamais le savoir. Bah, je vais essayer de la pister. Voilà, je dis pas que tu vas y arriver en une soirée. Hein. Mais peut-être que petit à petit, tu vas savoir vers où elle se dirige, et puis ça va réduire, et puis vous allez vous mettre à plusieurs. Il y a bien un pisteur parmi nos nouveaux amis. On peut essayer. Ouais. Et voilà, je le vois plus comme ça, tu vois, que sortir sabre clair, chargeons le truc, quoi. C'est comme ça qu'on meurt. Hein. C'est pas faux. C'est comme ça qu'on meurt. Et après, plus tu auras d'infos, je sais pas, est-ce qu'elle a un cuir dur, est-ce qu'elle a une carapace, est-ce qu'elle bouge vite, est-ce qu'on peut la bloquer dans un coin, dessus, on le saura. est-ce qu'elle bondit sur des distances pas possibles, tout ça c'est des indices. Si ça se trouve, c'est aussi... C'est aussi simple que de se munir de filets. Mais si ça se trouve, les filets, elle les déchire en deux et ça n'a aucun rapport. Mais comme on n'a pas trop de possibilités de faire des tests, parce qu'elle n'est pas très coopérative, il faut se renseigner d'abord. Non, mais je vais proposer à Bancroft de m'accompagner. Tiens. Voilà. Là ? Ouais, là. Et t'accompagner où? Pister une créature. La créature? Ouais. Ok. Que nous deux? Oui. D'accord. Et on pourrait pas être plus que deux? Faut être discret. Ah, c'est... oublie. Oublie, on sera pas discret. La question, c'est pas est-ce que nous, on va être discret. Parce que le but, c'est de trouver sa trace. La question, c'est est-ce qu'elle, elle va être discrète. Et plus on est nombreux à chercher des traces, plus il y a de chances que l'un d'entre nous tombe sur le truc qu'il faut. À deux, on peut passer à côté. Hein. À deux, elle a peut-être laissé des traces à 2 mètres, et nous, on passe à côté. Enfin, tu veux la rattraper? Tu veux la rattraper ou tu veux savoir où elle est? Non, mais là, je sais où elle est maintenant. Laisse-la tourner. Laisse-la mettre des marques partout. Laisser des traces. Et quand elle sera plus là, on ira voir ce qu'il y a à trouver. Ouais, mais comme elle passe par les arbres, est-ce qu'elle risque pas de ne rien laisser? Bah, elle va casser les branches.
Tu lui parles un peu de la créature ou tu le laisses Oui, non, je lui parle de la créature, de ce que bon, j'ai vu. Il va te dire, si elle a de la fourrure et qu'elle passe par les branches, vous allez trouver des trucs accrochés aux écorces. Et des branches cassées. Il n'y a pas plus facile. Une créature peut passer que d'un arbre à un autre, du coup, tu repères vite quel arbre a été bousillé. Ouais. Et si jamais tu vois pas d'arbre bousillé, c'est qu'elle est tombée au sol. Et donc à ce moment-là, tu te mets à chercher au sol. Mais oui, en gros, dès demain matin, quand il fera jour et que vous y verrez quelque chose, il n'y a pas de souci. Il est le premier à venir avec toi. Et si possible, d'autres gars qui s'y connaissent pour essayer de trouver un maximum d'infos sur la direction, la vitesse, les moyens de déplacement, l'intelligence de la créature. Avec grand plaisir. Par contre, aller se suicider ce soir, il a mangé qu'une petite soupe, tu vois. C'est pas un bon soir pour mourir. Ouais, c'est pas un bon soir pour mourir ce soir. Ok. Ah, moi je pensais la suivre, moi. Mais bon. Ah, bah écoute, prends les devants. On viendra chercher ton cadavre demain. Enfin, sauf si t'es un pisteur incroyable et d'une discrétion à toute épreuve. Mais dans ce cas, c'est moi qui vais être handicapé. C'est toi qui vois. Non, non, bah. On laisse tomber ma tentative de suicide de ce soir. Désolé, mais je suis sûr que tu auras une chance demain. Toujours une chance de suicider. Il te regarde avec cet air que tu détestais chez ton père. Cet air de tu es jeune et tu connais rien. Ah, là, ah c'est jeune, tu vois le côté. Ah, c'est jeune et clair, c'est débile. Voilà. Mais bon, c'est peut-être non pas un trait commun à ton père, mais à tous les gens âgés, sans doute. Ouais, ou mes idées à la con aussi. Ou ton engouement un peu héroïque, peut-être, par moment. C'est possible. Débordement d'enthousiasme. Ouais, c'est gentiment dit. Tout le monde va donc dormir. Le lendemain matin. Je veux mes points de nana. On est d'accord qu'on avait mis des gens à surveiller l'auberge pour qu'il n'y ait pas de sortie nocturne. Hein. Oui, oui, oui. L'auberge est gardée par la milice, effectivement. D'accord. Le lendemain matin, vous êtes réveillé. Alors, surtout toi, William, en premier, et on va commencer par toi. Tu es réveillé par des cris masculins. Tonitruant. Tu mets le nez à la fenêtre de ta maison. Tu reconnais assez rapidement la voix de certains de tes dockers. Tu as l'impression qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule. Je bondis pour aller voir. Tu vas sur les quais et effectivement, il y a une bonne grosse mêlée générale des dockers qui viennent à peine d'arriver en fait. Hein. Tu n'allais pas tarder toi-même à te réveiller tout seul comme un grand et à venir. Et ils sont en train de se battre sur les quais, à grands coups de poing. Bah, j'arrive au milieu, je tente de les séparer. C'est quoi ce bordel ? Tu te prends 2-3 coups de poing dans la gueule. Bah, j'en donne aussi. Hein, ça va mais c'est exactement ça. Tu peux me lancer un des 20. Comme ça, pour le fun. Oui, oui, pas de soucis. Je sais que c'est des vins pour le fun. Il me rassure pas, c'est des vins pour le fun. Je te laisse sortir ta trousse à dés. Voilà. Tu donnes quelques coups. Alors, c'est pas l'envie qui te manque de défoncer quelques têtes. Tu donnes quelques coups ici ou là, histoire de pas être en reste. Ils sont nombreux, ils t'écoutent pas du tout. Ils ont pété un câble. C'est la folie furieuse, quoi. Ils sont en train de se déboîter. C'est une vraie bagarre. Ça a vraiment dégénéré. Je sais pas d'où. Au beau milieu, mais qu'est-ce qui se passe? Personne te répond. Au pire, t'évites un coup, quoi.
si t'es mais obligé. Ceux qui se battent pas, ils peuvent au moins me dire. Il y en a pas qui se battent pas. Il y en a pas qui se battent. Ils se battent tous. Tout le monde se fout sur la gueule. Et ils s'insultent. C'est complètement dingue. Et alors je regarde autour d'eux, est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air visiblement d'être la source de tout ça? Tu vois rien. Alors, t'as les poings sur les hanches, t'es en train de les regarder, et le pire c'est qu'ils sont en train de se faire mal. Tu t'en vois certains, ils vont devoir rentrer chez eux pour se soigner, quoi. C'est violent, quoi. C'est pas bon enfant du tout. Ok, si j'avais un flingue, j'aurais bien tiré en l'air, mais j'en ai pas. Il n'y a pas de garde, des miliciens qui débarquent ou quoi, ou rien, non? Alors, ils sont plus niveau palissade, à la limite tu peux aller les chercher. Ouais, mais ils sont là où ils sont, pour des bonnes raisons. Oui. Il y a combien de gueuler un bon en train de se friter de, là de mais j'ai déjà gueulé comme un veau. Il a tenté deux fois. Alors, je t'avoue, ça c'est le contre-coup de ne pas avoir de charisme. Mais il a tenté deux ou trois fois. Mais les gens l'écoutent pas. Combien de dockers il y a en train de se taper dessus là? Tous. À peu près 14. Non, mais d'accord, ils sont combien? Ouais. Je vais pas en calmer 14 à coup de baffe. Je ne sais pas. À un moment, il y a un m'en hurlement. Vais voir Altea. Il y a un hurlement plus fort, plus plaintif que les autres, déchirant, qui vient de la mêlée, qui a l'air de calmer un peu tout le monde. Et ils se redressent tous en mode qui. Enfin, c'est un hurlement vraiment pas habituel. Et il y en a un qui est sur le carreau. Il y en a un qui est sur le carreau avec un couteau dans le ventre. Ah, quand même. C'est une douche froide. C'est une douche froide, quoi. Ouais. Les gars, ils s'arrêtent le poing levé en mode merde. Et il y en a un qui est debout avec un couteau dans la main. D'accord. Et il laisse tomber d'ailleurs. D'accord, et je le connais, je suppose. Oui, ouais, bien sûr. C'est tes amis, quelque part. C'est avec qui bossent pour toi. Il a l'air choqué. Furieux, hébété, il est comment? Et choqué. Choqué. Il regarde sa main pleine de sang, il regarde le couteau qui est par terre plein de sang. Ses amis le regardent. Il fait un nom de la tête, comme si c'était pas lui, ou qu'il voulait pas. Je le prends par les épaules, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi? Et il te regarde hagard, il est infichu de te répondre. Il a l'air traumatisé, sûrement parce qu'il vient de faire. Quoi. Celui qui est au sol, les autres dockers s'approchent de lui. Tu comprends bien qu'en premier soin, ils sont pas doués, donc est-ce qu'il faut le bouger, est-ce qu'il faut pas le bouger? Donc ils lui font ça va. Moi j'ai premier soin, donc est-ce que il vaut mieux que... Est-ce qu'il est transportable ou pas? Oui, il est transportable. Et du reste, bah, tu pourrais toi avec un premier soin essayer déjà de faire le minimum syndical. Prise de risque. Hein. Si ça peut te rassurer. Je suis en train de regarder. J'ai bien des sacs de remède. Oui, j'en ai. Si ça peut te rassurer, la difficulté, c'est le dégât qu'il a reçu. Il a reçu un coup de couteau. C'est comme une dague. Voilà. 4 au max. C'est l'idée. Spouah, le mec il revient à la vie, ses cheveux sont blonds, il vole dans les airs. Il a la truc fraîche. Ça saigne beaucoup. Ceci dit, c'est pas une blessure mortelle du tout. Le mec il est juste pas habitué à se prendre des coups de couteau, tout simplement. C'est pas un combattant, quoi. Tu refermes ça comme tu peux pour l'instant. Tu garrottes ça comme tu peux. Effectivement, faut le transporter. Hein. Faudra le recoudre très certainement. Tu fais le minimum syndical pour qu'on puisse le transporter et que les gars le ramènent jusqu'à l'entrepôt qui est juste à côté dans un premier temps. Ouais. Et qu'on envoie chercher assez rapidement, oui, certainement Altea, puisqu'elle a un peu cette réputation-là, faut l'avouer.
Ouais. Oh, je brasse de la bière. Les mecs sont tous calmés. Ouais, bah je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont assez nombreux à pas pouvoir te répondre. Et ils parlent entre eux. Alors, il y a... Ils arrivent à retracer à peu près que... Il y en a un qui a annoncé à un autre qui voulait épouser sa sœur. L'autre l'a mal pris. Ils se sont engueulés. Le ton est monté. Il y en a qui se sont mêlés de la conversation. Le ton est monté encore plus. Puis ils ont commencé à se bousculer. Puis ils se sont mis à se taper dessus. Et puis après, ils ont vu rouge. Et ils pouvaient plus s'arrêter. D'accord. Ouais, là, ça pue de magique. Là. Ça pue le magique. Il faut que le théâtre vienne ici. Et c'est marrant, parce que quand tu dis ça, il y a un des deux cœurs qui fait « Ouais, je l'ai senti. » Comment ça, tu l'as senti? Une drôle d'odeur, c'est sûrement le magique. Bon, tu comprends bien qu'il sait pas ce que c'est du tout, mais... Ouais. Mais il te fait « Ouais, ça pue le magique, ouais. » Ça sent mauvais, un peu comme l'œuf pourri. Ouais, ouais, comme ça. Plus concentré. Elle va s'occuper, alors, guère plus ou mieux que toi. Hein. T'as fait clairement tout ce qui est nécessaire, mais sa présence est très rassurante. Elle va recoudre un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à recoudre non plus. C'est pas une balafre énorme. Hein. Et sûrement un classique bah, du repos, bien manger, éviter les mouvements brusques. Et il sera remis. Ses jours ne sont pas en danger. Voilà. De l'alcool uniquement sur la plaie. les dockers te disent on va pas le dénoncer quand même. Non. Il le ramène chez lui parce que par contre celui qui a donné le coup de couteau, il est vraiment choqué par ce qu'il a fait. Il comprend pas son geste. Il avait un couteau sur lui, mais il comptait pas le sortir. C'est une bagarre, quoi. Une bagarre chez les dockers. Hein, c'est comme un, je sais pas, ouais, c'est comme un Noël sans neige. Mais il y a un moment, si le couteau s'est retrouvé dans sa main et il a planté son ami, parce que c'est un ami en plus.